souviens. Mais je ne supportais plus de vivre comme dans un donjon. Pour travailler dans vos plantations, messieurs. Prenez celui-ci, robuste, travailleur et en bonne santé. Je t'ai dit de rester à ta place, Kango. Comme je vous disais, messieurs, celui-ci est fort comme un bœuf. Et il est intact. Enfin, à quelques orteils près. Maman ? Petite peste, je vais te faire jeter au cachot. Aveline. Oh, ma chérie, je t'ai entendu crier. C'est encore ce cauchemar? Oui, juste un rêve. Je suis désolée de vous avoir réveillée. Chut, ma chérie, chut. Ne t'excuse pas, jamais. C'est naturel qu'une mère s'inquiète, même une belle-mère. Merci, Madeleine. Maman, es-tu inquiète toi aussi? M'as-tu oublié? Ou tu as disparu à jamais? De toute façon, la nuit ne sert pas qu'à dormir.
Nous avons appris que des esclaves disparaissent d'une plantation. Les propriétaires ont signalé leurs évasions, mais notre réseau n'a pas retrouvé leurs traces. Si tu choisis de t'apprêter en esclave, tu pourras sans doute élucider ce mystère de l'intérieur. Pour t'aider, nous avons installé un vestiaire dans un lieu stratégique. Tu devrais pouvoir le localiser depuis le toit de la cathédrale. Mm-hmm.